Donc salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau let's play vu que la dernière fois on a défoncé Crysis en une soirée. Et donc là on va faire un jeu qui, il paraît, est très bien. Spec Ops, et donc on va tout de suite commencer. Je ne sais absolument pas ce que ça va donner. Par contre, ce que je sais c'est que ma cam, je vais la mettre plutôt par là. Qu'a priori, généralement dans les jeux, l'interface est en bas. Et donc, et ben on va partir, nouvelle partie. Ça, c'est difficulté. Ben on va laisser en normal. Moi, je mets toujours les jeux en normal. Et donc, c'est parti. Le jeu est sorti en 2012. D'ailleurs. Et voilà! Attention, c'est pas fini! Je les vois! Ouais! Da 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 da. J'adore ce jeu! J'adore ce jeu! Va 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 va. On s'écrase! C'est censé aller aussi vite un hélico? Dégage, salaud! Toi aussi dégage! Ok, ce jeu s'annonce ouf. La mise en scène a l'air géniale. Et ce jeu est connu pour ça. Il a fait un bide monumental, mais il paraît qu'il est assez impressionnant. Notamment au niveau de son histoire, sa mise en scène, etc. Si John Conrad est le plus grand homme avec qui j'ai servi, je sais pas. Je me rappelle une fois à Kaboul, il Désolé pour le traînait son ma un peu bas. carcasse sur une borne jusqu'à l'hélico d'évac. Ouais, ça a dû m'influencer. Mais les faits sont là. Ce type est un vrai héros. Vous vous souvenez quand les premières tempêtes ont frappé? Vous deviez être chez vous, bien tranquille, devant la télé. Eh bien, Conrad et les damnés du 33e quittaient l'Afghanistan. Au lieu de rentrer chez eux, ils se sont portés volontaires pour aider à l'évacuation. Et vous, vous avez envoyé un chèque. Apparemment, Conrad aurait reçu l'ordre de quitter la ville. Il a refusé d'obéir, et le 33e l'a suivi. Bon, l'histoire officielle est encore un peu vague sur la suite. Mais ce qu'on sait, c'est que les tempêtes ont empiré. Vraiment empiré. Aux dernières nouvelles, Conrad guidait un groupe de survivants pour essayer de leur faire quitter Dubaï. C'était il y a 6 mois. Et puis, il y a 2 semaines, on a capté une transmission. Ici le colonel John Conrad, de l'armée américaine. La tentative d'évacuation de Dubaï
Je vais monter le son des voix. Ne faites pas. Hé hey chef, capitaine Walker. Qu'est-ce qu'il y a, Lugo? Il y a un problème, chef. Un problème crucial? Non, chef. Alors fais-le remonter, sergent. Bien su. Lieutenant Adams? Bien entendu, sergent. Quel est ton statut? Je dirais irrité, chef. T'as dit irrité, sergent? Oui, chef. Une attaque aérienne locale a infiltré la zone américaine formée par mon Falzar. Chef. La ferme. Débile. Messieurs, bienvenue à Dubaï. Bon, y a rien. Ça reste à voir, sergent. T'as localisé la transmission? Oui, chef. À environ 800 mètres. Alors dans 800 mètres, on saura enfin qui est le plus merdique. Toi ou cette info? Waouh. Si j'étais pas une vraie machine à tuer, j'aurais pleuré. Ok. Donc on a le personnage principal, un sidekick rigolo, invité spécial Lund. Eh, hey, stylé. Et on a le... Parfait, n'oubliez pas, l'endroit est considéré comme un no man's land, donc on n'est pas censé être là. Va falloir suivre le protocole, ok? Hop, on va mettre tout de suite le son des voix un chouïa plus fort. Allez hop, deux chouïa. Ok, super. Ok, planquez-vous. Ok, espace pour... Ok, espace pour tout faire. Prenez vos viseurs. Du mouvement? Non, RAS. Bien. Hein? Hop là. Ok. Waouh. Ce qui se passe à Dubaï reste à Dubaï. Allez. Faut trouver le moyen de descendre. Ça marche. Je sais pas s'il faut passer par là. Tiens. Ah mais attendez, parce alors que... c'est tout ce qui reste des damnés du 33e. L'état-major est pas d'accord, sinon on serait pas là. On va descendre en rappel. Hey, hein. Il y a une corde par ici. Ça va nous être utile. Ouh ! Ça suffit, Lugo. C'était pour rigoler, boss. Ouais, c'est pas le moment. Reste concentré sur la mission. Quelle mission ? On vérifie juste que les morts sont bien morts. On suit les ordres. Si on trouve quelqu'un, on repart illico et on contacte le QG. Ils envoient la cavalerie, on rentre chez nous. Vous avez entendu ça? Arrête avec tes conneries. Alors là, je suis vexé. Y a personne ici, mec. On dirait la transmission. J'étais sûr d'avoir entendu quelqu'un. Allez, qu'on en finisse avec tout ça. L'ambiance est sympathique. Hé hey, y a quelqu'un? Faut se montrer, quoi! Laisse tomber, y a personne ici. Alors qu'est-ce qu'on fout là, putain? Lugo a pas tort. Ah tiens, t'es de son côté maintenant? Ah ouais, quand il a raison. L'état-major veut qu'on fouille la zone, alors on fouille. Je sais pas. Moi je trouve que c'est du gâchis pour trois beaux et braves soldats de la Delta Force dans notre genre. Je vois plutôt ça comme des vacances. Pour la prochaine fois, moi je préfère les plages avec plus de filles sexy et moins de cadavres. Lugo, ça t'arrive d'écouter les conneries qui te sortent de la bouche? Non, jamais, chef. Sinon après, ça casse mon rythme. Ici, le colonel John Conrad, de l'armée américaine. Vous savez, j'ai vraiment l'impression qu'on nous observe. Bien, je veux qu'on sache comme je suis sexy en action. Est un échec. Je crois que c'est là. Le convoi s'est arrêté. Ouais, c'est bien ce qu'on cherche. C'est pas rassurant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une balise de détresse, mais pas de l'armée. C'est fait avec des pièces détachées. Qui a pu faire ça? Ça a pas la moindre idée. Putain de merde. Walker, tu devrais venir voir ça. Oh merde. Ouais, c'est rien de le dire. It's a trap.
Il a l'air frais. Il l'est, mais il y a pire, c'est le 33e. Qui a fait ça? Sûrement les types qui nous filent le train. Ça répond pas à la question. T'en fais pas. Je crois qu'on va vite le savoir. Je suis le capitaine Martin Walker. Nous cherchons des survivants. Pourquoi? Pour nous tuer, nous aussi? Vous parlez farsi? On pourrait peut-être mieux se comprendre. Agarintori harf bezanim. Bien joué, Lugo. J'ai vraiment peur que ça dégénère, Walker. Sans blague. Où est-ce que je peux aller? Une idée? Tu vois le bus là-bas? Il est rempli de sable. Au pire des cas, on tire dans les vitres. Ça nous donnera un petit avantage. Ça, vas-y, dégay. Vous deux! Yann, il est damné du 33e. Je prépare quelque chose! On bouge de là! Attends, c'est qui ce type? Des réfugiés! Des survivants de la tempête! C'est bien, non? Faut prévenir l'état-major, qu'il soit au courant. Ne prive pas! Il vaut mieux arrêter de tirer pour te laisser passer un coup de fil! Merci à vous, et là, et tirez un peu! Je recharge! Là, j'ai pas mes lunettes de soleil. Même là! C'est bon! Nettoyez ce bus! Reçu! Compris! Je m'en occupe! Neutralisé! C'est bon, on y va! Ok. On continue, par derrière. Il y a un peu de stratégie quand même. Grenade! À couvert! Il est planqué où? Le panneau, juste en face. À votre signal, je le descends. Ah, hein. J'attends votre signal, capitaine. Je sais pas où il est. Quand vous voulez, vraiment. T'emmerdes, mec. J'ai pas où il est, l'ennemi. Ah, si, il est là-haut. Moi, quand vous voudrez buter ce type. Lugo, descends-le. Oui, chef. Waouh. J'avance. Sur le toit du bus. Ennemi en vue. Je peux pas tirer. Oh, aide-moi. Cible abattue. Encore un groupe qui sort de ce putain de conteneur. Monte ta tête, salaud! Je recharge! T'essaies de faire gaffe! Boum! Salut, tribal! Courez vers le conteneur! Oh bah, c'est quelques munitions, non, on peut pas. Eh, dégage! Walker, la porte! Je peux m'en occuper, Wow! Oh, le finish move, stylé. Je croyais qu'on venait sauver des gens. Merde, c'était quoi? C'est la guerre. Je capte un appel de détresse. Vas-y, mets-le. Centrale du 33e, ici la patrouille Alpha. On est attaqué, je répète. Les insurgés nous encerclent. Demande soutien immédiat. Lugo, distance. Environ une centaine de mètres. Allons-y. Contact. Allez. Putain de merde, fais un peu gaffe. Nettoyez cette tourelle. Mitraillez-les. Faut pas qu'ils puissent bouger. Walker, faut qu'on neutralise cette mitrailleuse. Walker, on est coincé. La tourelle est détruite. Oh, ok, d'accord. On meurt très vite du coup dans le jeu, d'accord. Je ne sais... En même temps, c'est une putain de tourelle. C'est une tourelle. Je croyais qu'on venait sauver des gens. Entrez pour passer. Ils sont là! Derrière les barricades! Vite! Tirez sur cette mitrailleuse! Faut qu'on neutralise cette mitrailleuse! Walker, on est coincé! Contourne la tourelle et détruis-la!
Comment je suis censé la contourner? Ah non, c'est bon. La cabane, à 12h. Ils sont bloqués par là. La cible mouvement. Et cache-toi, du coup. Menace éliminée. Oh, c'est chaud. Cible éliminée. Par là. Ok. Redédédé. J'adore les exécutions de ce jeu. SOS, SOS, ici la patrouille Alpha. Demande de soutien immédiat. Est-ce que quelqu'un nous reçoit? Bah, elle est bondée. Alpha, si vous m'entendez, on approche de votre position. Ah, voilà. Merci, mon Dieu. Je crois que Martin est mort. Vous êtes blessé? Y a quelqu'un d'autre avec vous? On est quatre. On est indemne. Mais on va manquer de munitions. On va plus tenir très longtemps. Ok, tenez le coup. On arrive bientôt. Qu'est-ce qu'on a? Les types sont coincés dans le fuselage. On n'est pas encore repérés. On devrait prendre les silencieux. Bonne idée. On descend avant qu'ils nous voient. Ennemi abattu. Bien joué. Éliminé. Continuez d'avancer. Et en silence. Bonne nuit. Ok. Merde, je vois des ennemis. Je vous l'avais dit. Sur l'aile. Faut se mettre en abri! Cible à terre! Merde, tireur avec fusil à pompe! Je recharge! Tâchez de faire gaffe! Attention! Wow! Ok. Je l'ai tué. Couvrez-moi, j'avance! Ouh, dans la tête! Je vais retirer mon silencieux, ça sert à rien. Merde! Vas-y doucement! Cible abattue! J'ai réussi à viser un allié quand même. Ils sont allés là-bas! Ouh, AK-47. C'est bon! Ok. Ok. Je peux pas tirer! Ils sont bloqués! Oh non, il m'a adios! Il est mort! J'ai un fusil à pompe. Je suis à mes arrières, je peux avancer! Il est bon! Ennemi HS! Merde! Il faut qu'on tourne ces connards! Putain, il est long à tirer! Je dois recharger! Lancez une flèche sur ces connards! Et ils sont pas censés être aveuglés là? Visez la cible! Aide-moi! Cible neutralisée! J'avance! C'est bon? Eh bon. L'un qui essaye de snipe au fusil à pompe. Reculez! Ou je le tue! J'ai fait ce que je pouvais. Merde, on a une prise d'otage. Allez, calmez-vous, laissez-le partir. Approchez pas où j'ai tiré! Dépêche-toi, Walker! Faut faire vite, Walker! Il va le buter! J'ai dit reculez! Aide-moi! Il est mort? Non. Non, c'est bon, il est vivant.
Va falloir vous dépêcher, boss. Il va pas tenir. On est là pour aider. Faut tenir bon, ok? Laissez-moi. Ils ont MacPherson. Faut le retrouver. D'accord. Mais vous devez me dire où ils l'ont emmené. Ils l'ont emmené... au nid. Le nid? Le nid. Parfait, bien. Et pour Conrad, il est toujours en vie? Bordel de merde. Lugo, marque les corps sur le tac. Adams, regarde s'il y a des traces. Je veux savoir ce qui se passe vraiment dans cette ville. On a des traces qui vont vers le nord. Alors on les suit. Ok. Putain, moi, dans mes... Enfin... J'ai jamais été à Dubaï, hein. Je veux pas dire, mais ça fait pas vraiment partie de nos ordres de mission. J'imaginais pas ça comme ça. Ouais, bah on est passé de la reconnaissance au sauvetage quand on a trouvé ces soldats massacrés. Défier les ordres, ça me plaît. Les ordres, ça vaut rien si c'est pour laisser mourir des gens, Lugo. Si Conrad est encore en vie, ce que je crois, je sais qu'il est de mon avis. Les traces s'arrêtent là. Ça doit être le nid. Ouais, typique. Très post-apocalyptique. Restez prudents. N'oubliez pas que ces types ont éliminé 4 soldats et qu'ils en ont enlevé un autre. La dune. Attention, ils doivent surveiller. Là, sur la passerelle. Abattez-le. Je recharge. Couvrez-moi. Putain, le mec, comment il crie, quoi. On a un silencieux, on fait des kills furtifs, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Ah, couvrez-moi. Des poulets. On se fait attaquer. Ils savent qu'on est là maintenant. Des grenades, un paquet. On dirait qu'ils font des réserves pour l'hiver. On devrait prendre ce qu'on peut. Ça sert à rien de gaspiller. C'est A pour lancer des grenades, ok. Vite à couvert. Boum. C'est bon. Parfait ça. Bah, je pense que je partirai mon silencieux, ça sert plus à grand chose. Cool, de la musique. Ennemi avec cette tourelle va nous tailler en pièces. Prends des grenades, balancez-les. Grenade. Adieu. Je recharge. Ennemi à chaise. Ils avancent. Hey, vous entendez la musique? On s'en fout. Ferme-la et concentre-toi. Hein? J'avance. J'ai du mouvement! Je suis content qu'il y a une personne dans le groupe qui dit au sidekick de fermer sa gueule. Sur le balcon? Ah non, ok, d'accord, ils sont en dessous. Ne relève pas. S'il l'a battu. Je crois que c'est bon. Ok, on continue. D'où ça vient, cette merde? Les haut-parleurs, ils sont en pièces détachées. Comme la balise qu'on a trouvée. Ah,
Forcément passé. Flash spécial. L'attaque injustifiée d'aujourd'hui sur le 33e signifie, eh oui, c'est ça, la fin du cessez-le-feu. À tous les insurgés qui veulent se rendre, veuillez vous présenter à l'avant-poste le plus proche. Nous reprenons maintenant le cours de nos programmes. C'est parti. Si vous voulez mon avis, tout ça part vraiment en couille. Bizarre, c'est délire total. En plus d'avoir des gens ici, ils ont un putain de DJ. Faut qu'on contacte l'état-major, et vite. Non, pas encore. Conrad et le 33e ont besoin de nous. Et ce soldat peut nous conduire à eux. Si le 33e est hors de danger, on demandera une évac. Hein ? Bordel, va te faire foutre ! Est-ce que je l'ai eu ? L'ennemi se déplace. Grenade. Allez. Il y en a là-haut encore. Visez la cible. Ok. Ok. Couvrez-moi, je me déplace. Ils sont allés là-bas. C'est le moment. Oh non, ils l'ont tué. Il est mort. Y'a pas de viseur. Ennemi armé d'un fusil à pompe. Je suis à court, je suis rechargé. Ennemi haché. Là, cible au mouvement. Ok. Bon, la guerre se passe bien du coup. Putain, ils sont passés où? C'était trop facile. Ouvrez l'œil. J'ai compris. Oh. Activez le lance-grenade. Ok. Vite. Putain, hop. C'est un piège. Tout ça couvert. J'ai du mouvement. Je recharge. Tâchez de faire gaffe. Tâchez de louper, quoi. Ah, on voit rien avec le... Ok, 3 grenades, 3 loupés. Il a un fusil à pompe. Je recharge. Ils viennent par la droite. Lance une grenade. Cible abattue. Lance-roquette au deuxième. Faites gaffe. Wow.
sol s'effondre. Truc, c'est un putain d'apocalypse, les mecs ils continuent d'essayer de nous tirer dessus quoi. Adams, Lugo, parlez. On est en bas. Ah, ça va? J'ai dit ah, je crois bien, non? On va bien. Parfait, alors tout le monde debout. Je veux savoir où on est. Là, je me demande comment Lugo il a fait pour s'en sortir, il était un peu face à tout le monde. On est tombé dans l'hôtel qu'on cherchait. Quelqu'un voit une issue? Y'en a une par ici. Merde. Fermé. On est coincé. Ouais, comme des rats. Ennemi en visuel. On attaque. Hey, ils sont vivants. Hein? Ramenez-vous cul par ici. Attends, on voit rien. Et voilà. J'ai du mouvement. J'ai eu. Des ennemis sur la putain, cette type n'a jamais l'affaire. Continue à tirer. Ennemi, flanc gauche. En de l'escalier. Vous voyez? Mouvement repéré. Cible abattue. Ok. J'ai plus de... Putain, j'ai plus de balles. Je suis aux pompes, là. Laisse tomber. Ça m'étonnerait. Écoute. Il prépare un truc, là-haut. Ah, il en est mort, ok. Bon, en attendant, je vais prendre le petit pistolet, mais... Il balance du stacan. Adams, la porte, vite. Merde, Walker, tout va sauter ici. On est mort, bordel. C'était un peu short, quand même. Ok, on continue. Faut qu'on trouve une sortie.